Et bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça super. Aujourd'hui, il est temps. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et moi non plus. Salut à Tran. Salut à Tran. J'espère que ça va bien. Moi j'ai connu mieux. Alors par contre, je viens de remarquer quelque chose. Et je pense que bon, vous aussi vous avez marqué, hein, de toute façon. On ne peut pas le cacher bien longtemps. Alors, j'espère que le jeu sera fluide pour vous. Parce que pour moi, il est extrêmement fluide et me rappelle d'une phrase de fin de live. Lewis, tu m'auras pas comme ça. Et au final, Lewis m'a eu et a eu surtout Oran. Il a surtout eu Oran qui ensuite m'a poussé à me faire niquer. C'est comme ça. Lewis a été fort. Maintenant, c'est Lewis, on le sait. Je le savais. Mais en tout cas, il m'a pas eu sur le coup. Et j'ai été obligé de. J'étais obligé d'avouer. Surtout par rapport au commissaire. Voilà. Bien entendu. Salut Saber. Surtout par rapport au commissaire qui m'a convoqué. C'est pour ça que ce soir je stream. Il m'a convoqué pour 21h. Donc, on a une demi-heure de savoir quoi il en ressort à peu près. Du destin de Maurice. À savoir que en fonction des différentes choses qui peuvent arriver, j'ai déjà prévu certaines choses. Maintenant, on verra. Maintenant, on verra ce qu'il en ressort. Ah. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien chez vous aussi, parce que, bon, mine de rien, on est toujours en plein confinement, et je sais que certaines personnes peuvent mal le vivre, donc j'espère que vous, chez vous, ça va. Mais aussi que pour vos familles, ça va. Voilà. Parce que c'est très dur en ce moment. Wallou wallou. Alors. Est-ce qu'on n'irait pas à l'église? On va pas aller se repentir. On va pas aller se repentir. Parce que pour ceux qui ne suivraient pas, Maurice est pas méchant. Et c'est un connard. Un vrai, vrai, vrai connard. Et je pense que vous avez pu le remarquer au fur et à mesure du temps. Et j'espère que vous l'avez remarqué. On a un hélico qui. Qu'est-ce qu'il fait, l'hélico? Okay. Pas ce qu'il fait l'écho, mais is ok. J'ai des frissons. Des frissons de ce qui va se passer. Ah, et sinon aussi, bon.
J'ai un peu moins d'argent. J'en ai dépensé un petit peu. J'en ai dépensé un petit peu pour la voiture. Voilà. J'en ai dépensé un petit peu pour la voiture. J'ai mis frein transmission dessus. Voilà. Je peux dire que là il y a un 10-19 en cours. Y a un 10-19 en cours, mon gars. Et il est bien vénère. Allez, si vous voulez, voilà. Si je vous montre. L'annuaire a un peu changé aussi. Bon, il y a quelqu'un qui est accroupi là-bas. Je dois être fou. Je dois être fou. Donc l'annuaire a un peu changé aussi. Pour certaines raisons que vous devez connaître possiblement. Je pense que beaucoup d'entre vous qui peuvent être ici ont suivi le live d'Arcamo il y a quelques temps. Voilà. Je vous le dis, hein, c'est pas. Bon, comme vous voyez, je suis toujours vivant. Tout va bien. J'avais juste besoin d'une petite pause. Une petite pause et au final c'est con hein, mais ça tombait à point nommé. Ça tombait à point nommé. Voilà, la voiture sans permis hein. Toujours bien la petite pause, ouais, ça fait du bien en vrai. Il en faut pour remettre les idées en place. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, je vous avouerai, hein, c'est comme je vous dis, hein, moi de mon côté, tout est déjà cadré, etc. Je sais où je veux emmener Maurice. Je sais où je voulais l'emmener. Voilà. Je sais ce que je voulais faire avec. Aujourd'hui, je suis un peu dans le vague parce que forcément, je ne sais pas du tout ce qui va devenir de Maurice qui, rappelons-le, est un personnage et qui est très différent de moi. Et pour certaines fois, il est un peu trop différent de moi, si vous voulez mon avis. Voilà. Et du coup, des fois, c'est difficile de le tenir. Parce que même s'il a ma voix, voilà que je la modifie pas, hein, il y a beaucoup de choses qui changent de moi. Donc, on va se balader un petit peu. On va se balader un petit peu, hein. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. Faut qu'on attende 21h. Hein? Alors, est-ce que oui, c'est bien fermé et c'est bien et je suis bien attaché.
Mais à Trent, t'es qui toi? T'es juste sur les lives ou t'es aussi joueur? Ça me dit rien, Trent. Parce que là, je passe full incognito. Pas passé loin de la catastrophe. Je suis quand même pas passé loin de la catastrophe là avec le Abana. Peu de plus, on se la prenait en pleine poire. Hein. Et pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi Maurice n'est plus, est actuellement au chômage, ouais, je vais vous lire. Je crois qu'il y a rétention d'informations, un truc comme ça. C'est le fait le plus grave. Et mensonge à ses supérieurs. Une connerie comme ça. Et c'est pour ça que du coup Maurice a été mis à pied. Maintenant, le commissaire lui a dit qu'il n'aurait pas de poursuite judiciaire à son encontre. Que ce qu'il risquait, c'était soit le licenciement, soit donc une mise à pied et suite à ça, il réintègre le SPD. Mais très clairement, les autres agents auront bien moins confiance en Maurice. Ça, en vrai, Maurice s'en bat un peu les couilles, ce qui fait confiance à personne. La seule personne à qui il a voulu faire confiance, ça s'est mal passé. Donc Maurice s'en bat un peu les couilles de ça. C'est soit il est au SPD, soit rien, en soi. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Eh bonsoir, vous avez des collègues en service? Ouais? Est-ce que vous pouvez les appeler s'il vous plaît? Ce serait gentil. Merci beaucoup. Hop. Dun, 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 dun. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. De l'ennui, bien entendu. Donc, on va essayer de grappiller des minutes avec les médecins. Mais ça risque pas prendre plus de 5 minutes. En cas pour le don du sang, machin. Le reste, on verra bien. Pour le don du sang et machin, ça durera pas plus de 5 minutes. Donc, on va voir, on va voir. Ah, on va peut-être aller au stand de tir.
peut-être une bonne idée, ça. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont follow depuis le dernier live et que je n'ai pas vu, forcément. Donc, il y a Brock, il y a Flyer Prod, il y a Blue Dragon, il y a Lapinou, il y a Coco, il y a Sword, Dim Chris, Caporal Tom, Derkta, Kencraft, Mosinor, et c'est tout. Le reste, je crois que je l'ai dit. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le dernier live. Merci infiniment. Même si je ne live pas forcément, je vous vois. Ne vous en faites pas. Bon, du coup, l'appel a été pris, je crois. Je crois, j'ai pas checké. Donc on va voir. Allez, prends un café. Ouais, salut, salut. Un pour cent de TVA. Là que le café est à 1,98 normalement. Chaud. Aïe aïe. C'est compliqué pour moi de faire ce live, mais fallait qu'il soit fait. Je préfère qu'il soit fait comme ça, au moins les gens ont mon point de vue de la situation. Voilà, ils ont point de vue de Maurice, qui est un peu déçu. Un peu déçu que du coup ce qu'il avait prévu se soit mal déroulé pour lui. Maintenant il est aussi content parce que ce qu'il avait prévu au départ est arrivé, c'est-à-dire la LMB. L'enquête sur la LMB, l'enquête sur la fraude et tout ça. Voilà. Tout ça, c'est des choses que Maurice voulait. Maintenant, est-ce que Ben Emmanuel a sauté ou pas? Ça, Maurice n'a pas l'info. Il n'a pas l'info comme quoi il y a une perquisition. Il n'a pas ces infos-là. Donc maintenant, il va voir. Parce que Isaac ne lui répond pas trop. Chaud par contre les médecins hein. Sérieux les médecins? Ils ont pris l'appel non? Oui d'ailleurs petit taser personnalisé. Et pareil, l'arme, le 9 mm, 9 mm personnalisé aussi. Voilà. Et s'attendre à ce que je sonne, mais je ne vais pas sonner parce que je suis respectueux des médecins et du coup j'attends. Eh bonsoir, comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour un don du sang, s'il vous plaît. Ouais, on va faire ça, on a un peu le temps rapidement, si ça vous dérange pas. Pas de problème, on fait ça rapidement si vous voulez. On a une autre inter, mais pour un don du sang, ça devrait pas prendre non plus 10 minutes, ça devrait aller.
Non, vous m'aurez dit visite médicale, je vous aurais dit repassez plus tard, s'il vous plaît, monsieur. Au pire, faites les questions au marchand, hein. Moi ça me va. Hein. Ouais, bah voilà, bah, parfait. Consommation de drogue ou d'alcool, monsieur? Négatif. Vous avez bien bu, bien mangé, vous n'êtes pas tombé Ouais. malade? Non, pas tombé malade. Pas de rapport à risque non protégé? Non plus. Et pas de traitement médicamenteux? Non plus. Et le bras Ok, gauche. Allez, c'est et parti. ben parfait, je vous mets le garrot. Et ce sera une prise de sang Voilà. express. Ah bon, la prise de sang durera le même temps, mais c'est le Ouais. ce qui se passe avant. Ah ou ça vous fait gagner du temps et puis ça sauve une vie donc. Ouais, je suis désolé de. Voilà, mais c'est vrai que Pas là, de je trouve ça problème, compliqué. vous en faites pas. Je vous enlève le garrot tout de suite. Le Merci. petit pansement. Et on est bon. Et bah, allez. Quelque chose que je peux faire pour vous, c'est tout bon? Bah c'était tout, voilà, c'était juste pour le don du sang Ok, comme ok. d'habitude. Et eh ben je vous remercie grandement, monsieur. Et bah y a pas de quoi. Et bah bonne soirée et puis bon courage à vous, écoutez. Merci, bonne soirée à vous aussi et bon courage Merci. si vous allez travailler. Ouais, allez, au revoir. Et du coup, rendez-vous au deuxième pour l'hélicoptère, Ethan. Chaud. Ça, c'est de la prise de sang vite faite. Oh. Non, parce qu'au bout d'un moment, les questions, blablabla, on les connaît. J'aurais limite pu dire oui à tout, il aurait fait ah! Et bah, c'est parti, on fait quand même le tour du sang, il aurait fait, je suis sûr. Ou pas loin. Ça va, ça. Au coup là, on peut pas dire que c'était pas express, hein. Belge. Oh, la comète, tu te calmes. Oui, il y a un véhicule là qui vient de se garer. Ça me fera toujours bizarre. T'es devant le truc, ça tire de ouf, tu rentres, plus personne. Ouais, du coup. Voilà, petit laser personnalisé. Je sais que beaucoup le mettent en or, mais non, je voulais pas le mettre en or parce que pas envie, tout simplement. On peut prendre le café aussi ici. Pourquoi il y a un cercle? Une nuit dans le cercle. What the fuck? What the fuck? Attendez. Ouais, j'ai rendez-vous, c'est alentour de 21 h. Donc ça devrait pas trop tarder. Toujours l'habitude.
Brokers. Les Petty Brokers. En vrai, qui c'est qui a couru dans le commissariat, mais vénère. Et oui, j'ai toujours du coup les secteurs de patrouille. Je suis pas officiellement licencié pour le moment, donc tant que je ne le suis pas, je les garde. Bien sûr, après, je pense que ce sera différent. Vous saurez très vite pourquoi. Je sais ce que je peux faire. Ouais non. Je sais pas, goûter. Ouais, la boutique d'accessoires. Ah non, c'est masque. Ouais, les boutiques de masques. On va aller voir le prix. Prix d'un certain truc. Clairement, les prix, faut pas que ça excède genre les 200. Enfin, je pense pas quand même. Non, je pense pas. Je pense pas que ça va être trop élevé. SMS. Viens là, le truc de... Ouais. On va prendre la rue chez moi et on va la redescendre. De la rue de chez moi. Ouais, on va se passer par là, je pense. Ce sera mieux. Hop. Ah, un masque. Cubain, autre. Well, I appreciate y'all paying my day rate. I'm trying to get my exposure going.
Retour. Masque. Sac en papier, ok, motard, cubain, ruban, cagoule, autre. Ouais, chaud. Du coup, c'est pas là. Carnaval, comics. Ok, il y en a 3. Full nul. Masque. Ok, motard. Ok. Eh ben, c'est pas là. Je sais pas du tout où c'est. De toute façon, j'ai envoyé un message au commissaire pour lui dire de me prévenir quand il serait là. Donc, en toute logique, il est censé prévenir. Toute logique. On va aller à une boutique de vêtements. Non, boutique d'accessoires. Boutique d'accessoires, ce sera mieux. Je pense que c'est plus logique qu'on aille à la boutique d'accessoires. Mais par contre, c'était considéré comme un masque, je crois. Donc c'est bizarre que ce soit pas dans les masques. J'ai même pas regardé les prix des masques. Aucune idée. Hop, on va essayer de voir là-bas si là-bas on a quelque chose. I only work at Zip to pay the bills, you know. Yeah, it's not yeah. My fault. I'm still waiting on numbers from London. Boucle d'oreille, c'est dans quoi? Collier, cravate. Man, you have got to send me out on more stuff, Brian. No, I mean some. Ok. Chapeau, casque. Je sais pas du tout où est-ce qu'on les achète, les oreillettes. Montre, collier, cravate, le papillon, écharpe, pavot, collier, rail. On va mettre autre.
Oh. Du coup, impossible de trouver les oreillettes. Je sais pas du tout où est-ce que ça se trouve. Ça, c'est les speedy par contre. LSPD ou mécano. Mais en tout cas, pas LSMS. Alors du coup, est-ce qu'on est une station essence? Oui, on a la station de Italcé ou la gauche. On va aller voir. On va aller là-bas faire de l'essence. D'ailleurs, pourquoi on dit faire de l'essence? On dit aller chercher de l'essence, aller prendre de l'essence, aller acheter de l'essence, aller faire le plein. Quand on dit je vais aller faire de l'essence. Y'a que les gens de la PLS qui peuvent dire ça. Besoin de laver la voiture? Non, c'est bon. Pas l'impression. J'en ai une checkée là-bas. Un super aide, je sais pas qui c'est. Putain, moi j'ai pas l'animation, ça fait chier. Hein. Bon, très clairement, j'espère qu'ils vont pas, enfin qu'il va pas m'appeler vers 22h commissaire parce que. Ça roule à 50 km encore en fait. Eh ouais, je fais attention. Enfin Maurice fait attention. Attention, c'est différent. Maurice fait attention. Maurice ne veut pas se prendre d'amende. Malgré tout ce qu'on peut dire, Maurice est une des personnes les plus clean en ville. Donc ne pas lui faire confiance, ce serait une grave erreur, mais maintenant. Enfin une grave erreur. Oui non. Oui non, parce que vu que c'est un. Maurice est un sacré connard.
voilà, pour vous dire, hein, Maurice, tout ce qu'il veut, lui, c'est du pouvoir. Et il s'est rendu compte, en fait, très rapidement, que le pouvoir dans cette ville, c'était les informations. Et du coup, il veut des informations, et non pas de l'argent. L'argent, il l'a déjà ailleurs. Il veut du pouvoir ici aussi. Et du coup, ben, forcément, ça part comme ça. Voilà. Mais attends, il y a le train qui passe derrière. On va aller voir. Il a passé en face. Regardez ça. C'est quoi? Je vais poser la voiture ici même. Je pose la voiture et je vais revenir dans. On va poser la voiture. On va se garer. Vu que sinon on en monte trop. Hop, on éteint le moteur. Je reviens dans 2-3 minutes. Ne bougez pas, ok? Bougez pas. Heureux. Bon, ça j'ai pas été trop long. Moi j'imagine bien que si pour certains, mais bon. Bon. Est-ce que... Attendez. Pas de message. Compliqué. Ça fait une heure qu'on se balade.
Hop. Quand j'ai plus grand chose à boire et à manger. Donc après je rentrerai à l'appartement. Et bonjour. On rentrera à l'appartement après, on verra ce que ça donne. Déjà là, juste là, je vois Phelps, c'est le lieutenant. Enfin, je crois que c'est le lieutenant. Je crois. Pas sûr. Et Kazinko. Eh, bonsoir. Eh, bonsoir. Comment tu vas? J'ai connu mieux. Ouais, je... effectivement, ouais. Okay. J'ai connu mieux. Quoi de beau? Me fait chier. Ouais, bon, ça, c'est d'accord, ouais. Je veux dire, oui, t'as des nouvelles par rapport à suspension ou c'est toujours dans le flux? Le commissaire m'a demandé de venir pour 21h. Et je lui ai envoyé un message, il m'a pas donné de réponse depuis. Ah, le lieutenant juste à côté là. Il est en service? Le lieutenant, oui, il est là. Il est juste à la machine à café à discuter avec quelqu'un. Je vais aller le voir du coup. Ouais. Ok. Bah écoute, je vais te laisser, hein. Je vais patrouiller tranquillement. Ouais, bah écoute, bonne patrouille en Marie, hein, écoute. Ouais, non, mais je t'ai changé pour montrer la tenue Marie à Winman, mais je vais repartir en effet classique. Ok. Ouais, non, mais on, c'est un cuir, je ne peux plus de ce cuir. Ouais, bah, pourquoi tu changes pas? C'est une uniforme de bah, moto, moi je peux pas changer. Hein. Ah, tu peux pas faire une demande? Non, j'ai déjà demandé, elle m'a dit non. Ah ouais, chaud. Donc, bah écoute, je fous du talc et des trucs en dessous, mais au bout d'un moment ça. Ah bah oui, forcément. Mais au bout d'un moment ça frotte. Hein. Bah oui, ça frotte, oui. Oh putain. J'ai enlevé ça avant de le couper là. Bon, allez, bonsoir, ok. Allez, salut. Bon courage. Allez, merci. À 10h50, c'est un contrôle. Eh, bonsoir. Ah bah tiens, non, oui, non. 10h50, c'est un contrôle de drogue. 10h51, c'est un contrôle d'alcoolémie. 10h00, c'est un officier. On change la radio. 10h01, c'est un officier à terre. 10h03, si je m'abuse, si je reçois bien. 10, non. 10h02, je reçois bien. Non, 10h02, je reçois bien. 10h03, je reçois mal. Non. Donc c'est 10h01, je reçois mal. 10h02, je reçois bien. 10h03, arrêtez la transmission. Ah bon, mais j'en change entre temps, alors certainement. Et le 10h14. Le 10h14? Très peu utilisé encore. Le 10-14, je crois que c'est le pilotage. J'ai jamais utilisé le 10-14. En même temps, pilotage, il n'y a pas tous les jours. C'est pour ça que c'est. Attendez, je réfléchis. Mon histoire que je connais, c'est la discothèque. Ouais. Vous savez, l'ARC, c'est le commissaire. 10-29A, c'est vérification en cours. 10-29B, c'est vérification terminée. Contrôle terminé. 10-89. 10-89. Ah, grâce à la bande. Si, oh non, il y a Xerac et Emmanuel. C'était pas prévu qu'il y en a. Je sais pas. C'est officiel en otage. Ah, ce petit papier que vous avez dans la main. Je sais pas de papier. Ouais. Juste après, mais comme les codes marqueurs, hein, je suis joué. Ouais, je préfère, ouais. Ouais. J'étais un bon cadet, c'est pour ça. Ok, très bien. Et bah, allez. Ouais, bah, du coup, je vais réaliser au cadet FEPS les codes radio. Comment ça, cadet FEPS? Ouais. Allez, les cadet FEPS. Allez, 10 pompes, Kazinko. Ah non! Erreur sur le grade. Hein. Ah oui? Ah oui. La chose qui arrive. À chaque coup, les petits trucs là sur les manches. Fait, vous allez me citer l'alphabet. L'alphabet de l'OTAN? Si vous voulez. Alpha, bêta. Ah ouais. Bravo! Bravo! Ah oui, je sais. C'était pour voir si vous suiviez. Alpha, bravo, Charlie, Puna, Delta, Echo, Foxtrot, G, Golf. Oui. Alors, par contre, autant je le connais, mais autant mon alphabet, j'ai un doute. Le H. Hôtel. Hector, allez bim, vous en faites 10 de plus. C'est quoi déjà H? Hôtel. Hôtel. Ah oui, hôtel. Ça peut être irlandaise, mais bon. I, India. J, Juliette. K, Kilo. L, Lima. M, Mike. N, November. O, O c'est... Omega, je crois. Non, c'est Oscar. Oscar.
Bah oui, mais j'ai même pas eu le temps de le dire, vous l'avez dit. Non, mais 5 points pour Kazenko avec son Omega là. Oscar, P c'est Papa, Q c'est Québec, R c'est Roméo, S c'est Sierra, T c'est Tango, T c'est quoi l'autre? Uniforme. V c'est Victor, j'ai un doute. C'est moi, c'est Victor. Mais c'est ça. V, après c'est quoi? W c'est Whisky, X c'est X-Ray, Y c'est Yankee, Z c'est Zulu. Parfait. Eh ben dis donc, je suis impressionné. Félicitations. Il va falloir les apprendre après, monsieur Ullman. Oui, on va attendre, on est encore là. Ah si, on va y arriver. Hop. Allez, fais ton jeu. On va où? Quelque chose en son temps. Unicorn. Pardon. Qui a envie de pomper en ce moment. Voilà. Pomper quoi, du coup? J'aurais bien dit qu'on parle du commissaire, mais bon. Non, pas commencer par les... ça, je vais avoir rendez-vous avec lui, je vais avoir des images en tête. Ah, hein. Oh non. Ah, vous avez rendez-vous avec le commissaire? Ah oui, dans son bureau. Alors, je vais vous dire deux mots. Avec moi-même. Bonne chance. Comment ça, bonne chance? Ah, mais non, ça va, il y a le lieutenant, ça va se passer. Comment ça, bonne chance? Je suis une foule plurie. Non, mais en vrai, le commissaire est adorable. Sachez-le. Vous n'avez rien à craindre de lui. Quand il me touche la cuisse, c'est adorable. Vous avez déjà rendu? Ah, d'accord. Code 3, tout ça. Je sais pas. Code 3, vous avez des sirènes maintenant sur vous? Ouais. Ah, d'accord. 10-4. Fatigue. Eh ben allez, partons en patrouille, mission. Ouais, c'est parti. 70, prise de service. Allez, bonne prise de service. Ah, du coup, maintenant que j'ai pris la prise de service. Oui. Je repars toujours en patrouille? Vous voulez pas que je reste là? Pourquoi t'as pas envie de patrouille, Phelps? Ah non, mais je sais pas, je suis des ordres. Je pense qu'il parle fort à la radio. Ah. Bon bah je vais rester là, tant que les soins arrivent alors du coup. Vous auriez un médecin disponible au commissariat pour des petits problèmes? Bien soigné, mais je suis pas en service. Si c'est un problème d'évacuation, on a juste appelé le commissaire. Hein. Je fais 10 pompes tout de suite. C'est extrêmement sale ça. Non, mais je fais 10 pompes tout de suite. Vous aussi, vous avez envie de pomper? Non, mais j'ai compris. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, vous mettez des coups de boule au sol. Bien habitué. 10, 7, 8. Sauf quand 9, il dit des conneries, 10. Bah hop, ça pompe. Exactement. Du coup, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Pas entendu non plus. Répétez 47. Alpha Delta. Comment ça, Alpha Delta? Je comprends. C'est normal. Mais. Oui. Eh ben c'est bien. Allez, c'est. Eh ben oui. Vous voulez pas mettre votre ceinture avant? Ma ceinture. Bah, il la mettra dans la voiture. C'est plus simple. Ouais, je m'avais. Non, oui. Bah. J'arrive. Monsieur Lindman, du coup, ben, tout à l'heure. Oui. Certainement. Oui. Et coucou, bon, Boris. Et salut. Et aujourd'hui, ton rendez-vous? Bah, j'ai eu rendez-vous à 21h, mais j'ai envoyé un message et le commissaire m'a toujours pas répondu. Ah, bah, c'est vous, la deuxième recrue. Alors c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. D'accord. Ouais. Oh bah on y va, hein, on vous laisse avec. Allez, bon courage, bonne patrouille les gars. Ouais, bon courage. Vous avez postulé vous aussi? Non, c'est très compliqué. Ah bon? Oui. Vous postulez pas en fait? Hein? Pour rejoindre les forces de l'ordre, on est d'accord. Mais c'est, j'ai rendez-vous avec le commissaire, mais c'est pas... je suis pas une recrue. Ah d'accord, ok. Moi je veux pas savoir. Non, bah, j'avais le même grade que les deux personnes qui étaient là. Avec moi à 21h. Ah, d'accord. Bah non, pour le coup... Je sais pas. D'accord. Et vous êtes, du coup? C'est Bob Wingman. Vous pouvez m'appeler Bob, vous savez. D'accord. Et vous faites quoi actuellement? Actuellement, j'attends. Non mais, comme métier. Ah, j'ai été docteur. Docteur, oui, on va les FMS. Ça me dit quelque chose. Docteur, oui, c'est celui qui soigne. Oui, non mais Bob, oui, docteur, ça me dit quelque chose. Oui, bien sûr, tout le monde me connaît. Je suis un... J'ai... Sans vous mentir, je vais pas t'amener des loges, hein, mais je savais bien soigner les gens.
Voilà. Ouais. Et j'étais très à l'écoute. Vous êtes souvent venu à la LMB à l'époque ou pas? Oui, souvent, oui. Ouais, bah alors on a du soir. Mardi. Bah on a du soir à ce moment-là alors. D'accord, ah bah oui, c'est possible. C'est possible. On a du soir à ce moment-là. Là, vous avez des nouvelles de Monsieur Mardi? Aucune. Ah, oui, fait plus d'un mois qu'il a disparu. Ah oui. Ouais. Ah, il était fort sympathique, ce... un peu speed, mais fort sympathique. Ouais, fort sympathique et. Du jour au lendemain, il a plus donné de nouvelles à personne, donc. Compliqué. Mais. Oui. Oui. J'espère qu'il va bien. Oh, j'espère aussi. Oh, après. Je me doute qu'il doit bien. Il doit aller bien. D'accord, je me fais pas de soucis là-dessus. Bah, vous voyez, je suis ici, moi. D'accord. Normalement. Ouais. Voilà. Ouais, le commissaire devrait plus tarder, donc il pourra te voir par l'écho et puis après on s'occupera de vous, monsieur Holman. Oui, pas de soucis, moi je suis pas pressé. Okay. Il aurait pu tarder si je sais pas où il en est dans la route. Ça dépend s'il y a beaucoup de route ou non. Ouais, il y avait pas beaucoup quand il a pris la route, donc ça devrait aller. Hein? Ah bah c'est plutôt calme, c'est bien. Ah bah... Oui, c'est calme. C'est calme, c'est calme. Mais du coup, vous travaillez à l'MB, c'est ça? Avant. Avant, d'accord. Ça vous a pas plu? Mitigé. Mitigé. Mi-chaud, mi-froid. Ouais. Mi-froid, mi-chaud, on va dire, plutôt. D'accord. Donc plus dans ce sens-là. D'accord, je comprends. Voilà. Bien. C'était qui le patron de la LMB? Je m'en souviens plus déjà. Monsieur. Ah, c'est le monsieur qui m'a offert une voiture. Hein? Oui. Ah, c'est à l'époque j'étais chez les taxis. D'accord. D'accord. Et les taxis et la LMB c'était grande famille. D'accord. Ouais. Et un soir, j'étais en misère de voiture. J'avais plus de voiture, vous savez. Ouais. En misère, tout ça. Et il m'a dit, bah y a pas de souci. Il m'avait acheté à l'époque une petite voiture économique. Petite voiture économique De 1000 $, si vous voulez. J'avais pas, ouais. J'ai pas de sous, je venais d'arriver parce que ma femme était partie avec mon comptable. Ok. Donc, du coup, ouais. Il m'a acheté une petite voiture et puis du coup, je l'ai revendue parce que j'ai appris certaines choses du monsieur qui est un peu. C'est bizarre. C'est, en gros, ses employés, c'était en gros, des fois il les tapait, des fois il les tapait pas. Bon, du coup, j'ai dit, c'était de l'argent comme ça. D'accord. Compliqué, ça. Oui. Du coup, j'ai revendu la voiture. Et voilà, j'ai plus de voiture maintenant. Je suis à pied. En même temps, j'habite dans une grande ville et puis j'ai appris que les transports publics sont revenus. Oui, les trams sont revenus. Voilà. Donc, du coup, je vais me déplacer en métro et en tram. Bah, ça dépend. Où est-ce que vous habitez? Dans un motel. Ah, ok. Oui, c'est compliqué. Oui. Non, mais si vous voulez, voyez, je veux aller du côté du bistrot. Oui. Il s'appelle. Du Paradise. Non, c'est Paradise. De Omega. Ouais, Paradise. C'est Paradise, mais non, je sais plus. Oui. Ça change de nom tous les 4 matins, c'est toi. Alors, le Paradise, c'est le bar, et l'Omega, c'est la discothèque. Ah oui, oui. Alors, bon, le Paradise, le bistrot. Ouais. Si je veux boire un panaché, vous voyez, du coup, je prends le métro direction. Je prends le métro au niveau de Alta Street. Ouais. Et je sors au niveau du la boîte de nuit échangiste, là, le Bahamas. Voilà. Et je sors par là et je continue à pied, vous voyez, c'est juste à côté. Ouais, je vois. Ok. Il voilà. Y a toujours moyen de trouver. Oui, bah oui, de toute façon, c'est une grande ville, hein. Il y a toujours moyen de trouver un. Bah oui, en ville, pas besoin d'avoir de voiture. Un petit truc, hein. Bah, maintenant, surtout que il y a le tram qui est revenu, il y a toujours les taxis. Oui, en plus, oui, il y a les taxis. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, donc, à la civilisation, excusez-moi, que je peux pas boire. À la civilisation dans laquelle on vit, on n'a pas besoin de voiture. On peut se déplacer partout, n'importe où. Hein. Ouais, bah, oui, forcément. Sans dépenser des millions dans une voiture. Ouais, c'est sûr. En service public, c'est vrai que ça. On a rarement besoin de sa voiture en plus. Oui. Bah oui, c'est surtout pour ça aussi, moi j'étais au LSNS. Ouais, si vous avez soif, je peux vous donner à boire. Hein. Bon, c'est bon, je me débrouille. Je gagne ma vie, vous savez. Oh, bon, comme vous voulez.
Non, non, moi je vis pas. Une petite limonade. Désolé, mais j'ai des principes. Ah, pas de problème. C'est que c'est un peu les sodas, ils sont pas très. Sont trop sucrés, ça vous pâte un peu la gorge. Vous voulez changer un peu de poisson. Oui, non, ça va, bon, vous inquiétez pas, ça va aller. J'entends rien. Bien, par où ça passe? De mon côté, tout se passe bien, j'ai le son, ils sont bien. De aucun problème. Non, vous inquiétez pas, je suis pas pressé. Ok. Ouais, moi, je vous laisse patienter un petit peu. Oui, ouais. faites vos affaires. Je retourne un petit peu en patrouille et puis je vous préviens qu'il arrive. Pas de problème, lieutenant. Je vous remercie. Vous inquiétez pas. Tout à l'heure. Il est gentil. Très gentil. J'aime bien. Et du coup, vous voulez. Vous voulez rentrer au LSPD? Oui. C'est pour une raison précise ou c'est parce que vous voulez vous rendre utile? Oui. Et bah vous êtes médecin, c'est ça? Oui. Et vous êtes été. Oui. D'accord. Et été licencié. Ah merde. Pour une fois que j'ai pas connu. Et d'où c'est pas écrit dans le code pénal. Pas dans le code, dans le code du travail. Ok. Donc si vous voulez, voilà. Donc, gros, vous étiez à la tête de turc, quoi. Bah, en gros, en fait, vu qu'on m'a licencié, là, je peux plus rejoindre le LSPD. Donc du coup, j'ai rendez-vous avec le commissaire pour pouvoir expliquer ma situation, etc. Sachant que les lois sont périmées parce que seul le procureur peut prendre cette décision. Ah ouais, d'accord. Donc vous voyez, c'est tout un méli-mélo de cette histoire. Alors que moi, potentiellement, vous me mettez un uniforme, moi je rends service aux gens, vous voyez. Bah oui. J'ai pas fait une faute en disant j'ai utilisé mes capacités de soins en dehors de mes horaires quoi que ce soit, j'ai juste pris des vacances. Bah et puis vous êtes en droit de prendre des vacances, non? Oui, j'ai prévenu, mais alors ma faute, ça c'est ma faute, j'ai pas prévenu à l'écrit, j'ai prévenu qu'à l'oral. Ah ouais. Dans tous les cas. On m'a dit oui, on n'écoutait pas parce qu'il y avait de la donzelle dans les alentours. Et donc du coup c'est parti à la trappe et puis voilà. Ah mais de toute façon ils vous ont fait une demande écrite vous notifiant comme quoi vous n'êtes pas venu en service pendant X temps et que c'était pas normal. Bien. Bah alors dans ce cas-là ils sont totalement en tort et y a aucune raison de vous licencier. Oui, je suis d'accord. Moi c'est pour ça que là d'après mon téléphone je suis toujours médecin. Je reçois encore les notifications du SMS mais je ne les regarde pas. Mais alors du coup j'attends de voir le commissaire. Il me dit bon, c'est bon, voilà. Dans ce cas-là, si je suis embauché, je retournerai au LSMS et je leur dirai que, je leur donnerai parce que j'ai encore tout le matos, etc. sur moi, et donc, du coup, je leur donnerai tout. Ouais, bah oui, forcément. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de tout poser, quoi. Oui, mais tant que cette situation n'est pas éclaircie, je veux pas aller au LSMS parce que ils vont me licencier alors que normalement, ils ont pas le droit. Ah, bah oui. Puis donc vous avez totalement raison. C'est juste une question de. Juste une question de ça. Oh. Ouais. Pas très rigolo ce qu'ils ont fait, mais bon. Le problème, c'est que c'est. Oui, c'est un peu compliqué. Et en plus, il y a eu des médecins pas très rigolo. C'est ah ouais? Oui, il y en a qui piquaient des ordonnances. Intelligent, ça d'ailleurs. Surtout, c'est qu'ils piquaient des ordonnances et puis que c'était pas. Du coup, ils allaient dans l'armoire à ordonnance, puis ils disent oh, je dois m'absenter pendant 10 minutes. Ouais, le temps de les prendre. Oui, non, mais c'est pas très discret. Ok, super. Ouais. Bon, il y avait plein d'histoires comme ça, puis bon, le SMS a toujours été très compliqué, vous savez. Moi, je m'en souviens d'une soirée, alors c'est caricatural, hein, mais 3 interventions en 3 heures, avec 6 médecins en service. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi par le passé. Ah, vous étiez médecin ? J'ai été médecin pendant 2 mois. Ah bah, à peu près comme moi. Et ouais. Et vous avez vite changé ? J'ai vite changé, oui, je me suis vite barré, et puis pareil, je suis parti pendant quelques temps. Quoi. D'accord. Et oui, les soirées où pendant de 14h à 18h, vous avez rien. De 18h à 18h30, c'est la folie, et puis après, jusqu'à 22h, il n'y a plus rien. J'ai connu. Voilà, bah c'est ça. Et donc du coup, c'est ce que j'ai dit à l'assistant du directeur. J'ai dit, moi, désolé, mais j'ai pas l'impression de servir quelque chose. Bah vous savez, quand... Voilà.
quand il y a des appels alors qu'il y a... Et en plus de ça, on m'a dit que le LSPD c'était un peu compliqué ces derniers temps parce qu'il y avait eu beaucoup d'histoires. Et donc du coup, bah, j'ai proposé mes services. J'ai dit, bah, moi je suis prêt. Je suis prêt à prendre mon service et d'aider. Ouais, bah c'est très bien. Basé sur le volontariat. Oui. Volontaire. Si vous êtes volontaire et que vous aimez servir les citoyens. Bah oui, j'étais OLSMS. C'est bon. Alors, niveau servitude de citoyen, je peux me placer là. Ouais, puis je pense que vous devez connaître la devise du LSPD. Mais protéger et servir. Voilà. Donc. Pour les SMS, on n'en a pas. Ouais. Il n'y a jamais eu là-bas. Bon, si, peut-être. Attention. Voilà, attention. Ça marche bien. Ou pommade antidouleur ou antibiotique. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Le PAA. Le PAA, tout à fait. Ah bon, voilà, donc c'est ça l'histoire, c'est ça toute l'histoire. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ouais, vous avez été une tête de turc pour eux, dire... Non, voilà, c'est pas ça, c'est qu'en plus... On l'aime pas. J'ai pris des vacances, mais que... En fait, ils savaient que... Apparemment, ils ont su que je voulais postuler ici. Bien. Et bizarrement, en vrai, je sais pas, je connais pas. Et ben, au moment où j'ai mon rendez-vous, d'accord, j'avais rendez-vous ouais. Ce soir à 21h. Pour ça, je pensais que vous étiez la deuxième personne aussi. Apparemment, j'ai été embauché avec une autre personne. Et ben, pile 24 heures, à moins 24 heures avant, je reçois un message comme quoi je suis licencié, qui m'empêche le recrutement d'ici. Et vous en avez parlé à quelqu'un d'autre que vous vouliez vous faire recruter ? Ben non, à part aux personnes d'ici. C'est quand même bizarre. Ils le savaient, mais ils ne connaissaient pas la date, ils ne connaissaient rien. C'est quand même ultra bizarre. Oula. Oh. Attendez, j'allais checker. Attendez, j'allais voir. Chelou, il n'y a rien du tout. Chelou. Bon, bah, visiblement, rien du tout. Ça doit être un pétard. Ouais, sacré pétard. Hein. On appelle ça des mammouths. Alors, ça me dit rien du tout, je vous avouerai. Bon, donc voilà l'histoire dans sa globalité. Donc du coup voilà, j'ai rendez-vous avec le commissaire pour m'expliquer et le prouver que je pourrais être une très bonne recrue. Ouais, bah de toute façon mettre à jour ce qui se passe avec le LSMS, je pense que c'est la meilleure des choses à faire déjà. Oui, voilà, c'est ça. Parce que bon, j'ai expliqué la situation, j'ai tout expliqué, et surtout c'est qu'après j'ai eu aussi des mots. Je suis gentil, je suis pas méchant, mais en gros, fallait revoir toute l'organisation du LSMS, c'est important. Et du coup, j'ai proposé des choses, mais elles ont jamais été acceptées. Personne m'a pris au sérieux. Donc du coup, voilà. Je l'ai un peu en travers la gorge, si vous voulez. Ouais, donc en fait, le combo, il nous donne des trucs qui nous saoulent, plus le fait qu'il veuille partir au SPD bizarrement et qu'il est pas là pendant. Un certain bah temps. Voilà. Moi j'ai pris un mois de vacances. Ouais, bah ouais, mais vous êtes en droit quoi. Bah oui, vous êtes humain. J'ai hein. besoin de partir de la ville après tout ce que j'ai. Vous savez, j'ai ramassé des morceaux de corps humain avec un crash de 747. Ouais, bah ouais. On est même y allé au Dyson. Oh. Oui, c'est pratique, c'est sans fil. Oui, oui, ouais, forcément, c'est sans fil. Ouais. Voilà. Et donc du coup. Ça aspire bien. Avec les sacs poubelles, les machins, les trucs. En plus de ça, j'ai eu des collègues qui se sont fait prendre en otage. Plus d'autres collègues, voilà, un patient qui est mort, un peu trop de surcharge, et puis du coup, vacances. Ouais, et puis de toute façon, vous êtes humain, vous méritez d'avoir des vacances aussi. Ah bah oui, quand vous faites 8 heures de service par jour, bah oui, forcément, au bout d'un moment. Ouais, j'ai connu ça. Voilà, bah oui, vous savez très bien, de quoi je parle. Ouais.
Mais oui. Et c'est pour ça que aussi. Alors moi je connais très bien Docteur Miller. C'est folie, quoi. Si vous avez connu. Docteur Wheeler. Non, Miller. Miller. Et Docteur Miller. Miller homme et Miller femme. Alors je les connais, mais je les connais pas docteur pour le coup. Ah d'accord. Oui. Bah, ah si. Ah si si. Elle était venue une fois à la LMB, un petit peu vénère. Oui, elle est tout le temps un peu énervée. Ouais, bah elle était tellement énervée qu'au lieu de soigner le patient, elle l'a mis KO. Mais Ah bon. Ouais. Soigner le mal, pas mal. Ah bah là ouais ouais. Il avait des rougeurs au visage, ben il a donné d'autres rougeurs. Ah oui. D'accord. Mais je comprends mieux. Direct un coup de boule. C'est ça. Oui, bah Docteur Miller, bon bref. Et donc du coup, Docteur Miller, vous savez qu'il a travaillé 4 mois au LSMS, tous les jours, de 14h à 2h du matin, médecin junior. Médecin junior ? Oui, pendant 4 mois. Ils sont jamais pleins. Bah si, c'est pour ça qu'ils sont partis. Non mais voyez, il y a plein d'histoires comme ça. De toute façon, c'est jamais tout rose, tout bleu, tout ailleurs, ça c'est sûr. Mais bon, ça plus ça, bah, du coup. Ouais, à force, ça fait un tout qui est un peu trop. Chacun gère les choses comme il veut. Docteur Pittman, s'il veut gérer sa façon très bien, qu'il en soit ainsi, mais qu'il le reproche pas aux autres. Oui. Et puis surtout qu'il vous la mette pas. Bah là, il l'a mis à l'envers. Ouais. Et without baseline. Pas agréable. D'habitude, je me suis fait contrôler deux fois la prostate. Oh non! Oh bah si, arrivé à un certain âge, là y passer. Hein. Ah, j'ai pas trop envie, je vous avouerai. C'est à partir de quel âge déjà? 40 ans. Oh merde, dans 2 ans. Oh, fait chier. Oui, il faut tousser. En fait, ça passe tout le temps. Après, c'est froid. Aïe! Bah non, pareil. Ah bah si. Au début, un tout petit peu, mais après ça va mieux. Après, vous êtes tellement habitué que bon. Faudrait que je demande des conseils et des connaissances, du coup. Bah, si vous voulez, oui. Ouais. Faut s'enseigner sur ce genre de maladie, vous savez, c'est important. Hein. Oui, oui, c'est important. Pour ça que tous les hommes, ils se laissent pousser la moustache au mois de novembre. Hein. Ah, oui, c'est vrai, là, il y a le. Eh bah, oui. Le truc novembre. Hein. Ouais, mais les hommes, ils en parlent pas de ça. Mais c'est un tabou, hein, vous savez. Oui, bah ouais. C'est dommage. Oui, c'est important de se faire contrôler. Ça peut éviter des maladies un peu trop. Pas trop dangereuses, oui. Ça peut être pas un mal. Un peu bizarre, oui. C'est bon, oui. Non, du coup, voilà. Mais vous avez ça, puis vous avez aussi d'autres maladies qui sont terribles. Terribles que les hommes n'en parlent pas. Vas-y. Et les troubles génétiques. Ah, effectivement, ça n'en parle pas beaucoup. Bah, personne n'en parle. Vous avez plein de choses comme ça que les gens n'en parlent pas. Eh bonsoir. D'accord. On sait plus de où, Fabrico. Oui, oui, c'est bon. On attend le commissaire. Ok, ça marche. Mais il est là. Bah, il était à 3 km. Ouais, apparemment, il était à 3 km. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on nous prévient dès qu'il okay, revient. Nickel. Voilà. Merci. Allez, bon courage. J'aime bien son t-shirt, c'est une très belle année, ça. Alors, j'ai pas lu. Ah bon. Je vous avouerai que j'ai pas lu. Il surveille tout ça, tout ça. Non, bah. Ce sera un plaisir de vous voir en tant qu'agent, en tout cas. Bah, j'espère. Ouais, bah, vous faites tout ça pour rien. Bah, si vous faites tout pour votre travail, que vous êtes vraiment volontaire, motivé. Bien. Motivé, et en plus j'ai une belle moustache. Alors ça, je pense que entre vous et monsieur Phelps, bah, la guerre. Hein. Bah non, il a plus de moustache, il l'a rasé hier. Il l'a rasé? J'ai même pas fait gaffe. Bah oui, et je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit, vous savez, Durache, vous me faites mentir parce que mais dit que Phelps, que monsieur Oliver Phelps, il avait une belle moustache. Et bah il a pas de moustache. Oui, il avait une moustache avec les petites boucles sur les côtés. Mais oui, en plus, c'est une moustache à l'anglaise. Bah ouais. C'est magnifique. C'est stylé. Mais oui, c'est magnifique. Et je sais pas pourquoi il a rasé. Aucune idée. Parce qu'il en était fier, en plus. Bah oui, en plus, je viens spécialement pour voir le commissaire. Et là, bim, c'est rasé la moustache.
Et là, je me suis dit, oh non, c'est triste. Par le peur qu'il se laissera pousser à moustache. Mais c'est un secret, hein, c'est... il faut bien, bien la peigner. Et après, vous avez même des petits masques, vous savez, pour la nuit, vous les mettez derrière les oreilles avec un élastique et ça vous maintient la moustache. Ah ouais ? Oui, ça existe. Ah putain, je connaissais pas. Ça peut être des maintiens moustache. Oui, au final, ça semble logique. Et en fait, ça vous tient le poil. Alors, il faut qu'elle soit longue, hein. Ça vous tient le poil et ça. Après, vous pouvez mettre un petit produit dedans pour l'effet nourrissant. D'accord. Non, la moustache, c'est un air. C'est un art vraiment à part entière. C'est pas un jour vous dites, je me laisse pousser la moustache. Non. Ah, faut en prendre soin tous les jours. Un état d'esprit. C'est un mode de vie. Ouais, je vois ça. En plus, j'ai connu quelqu'un ici à Los Santos. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais un monsieur, je crois qu'il est portoricain. Je suis pas sûr. Portoricain ? Oui. Un monsieur qui travaille chez ACDC. Il avait une belle moustache. Il y a toujours des chemises bien voyantes, un peu hawaïennes, vous voyez ? Il a une moustache, ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle ? Il m'a dit qu'il avait la lotion et qu'il allait m'en donner. Et vous avez son nom ? Non, pas du tout. Ah bah, ça c'est compliqué, par contre. Hector ? Non, pas Hector. Rodriguez, peut-être. Rodriguez ? Non, pas Rodriguez. Travaillez à la CDC ? Je vous avouerai que... Et il a tout le temps un chapeau de paille. Avec des chemises bariolées. Ah, je m'en souviens plus de son nom. Alors, je vous avouerai que je l'ai jamais vu, personnellement. Mais ouais. Ah mais... Bah, je sais pas. Hein. Et puis, après, j'ai pas vu beaucoup de monde avec des moustaches. Hein. Ouais. En même temps, j'ai l'impression que les gens ici préfèrent la barbe. Oui, j'ai rien. Okay. Les murs sont un peu fins. Je peux entendre une voix, mais je suis pas sûr. Ouais, pareil. De loin, mais... De loin. Il doit être un détenu. Il doit crier qu'il est innocent. Ouais, possible. Après, si c'est un détenu... Où est-ce qu'ils l'ont emmené ? En bas dans les cellules. Ah mais les cellules elles sont plutôt de l'autre côté. Elle était où monsieur ? Bah, j'avais plus l'impression que ça venait d'au-dessus, mais Ah moi j'ai cru que ça venait de la cage d'escalier derrière nous. Ah bah, comme quoi on n'entend pas du tout les mêmes choses. Ouais. Compliqué. Attention à droite. Laquelle ? Alors, rigolez pas, hein. Mais je l'ai faite. Enfin. Des fois je patrouille avec un collègue. Et je lui dis regarde à droite. Et puis il tourne à gauche. Je lui dis non, à droite. Il tourne à droite. Il dit non, mais il n'y a rien. Je lui dis en même temps, là c'est encore à droite. Et il retourne à gauche. C'était voilà. Compliqué. Ah oui, il y en a qui ont des petits soucis. Ouais. Après, il n'y a pas de. Après, ce qu'il faut faire. Alors, c'est très sommaire. Hein. Mais pour les gens qui ont des problèmes, j'ai lu quelque part qu'il fallait écrire G et D sur les paumes des mains. Tu sais, vous savez, au-dessus, là, sur les mains. Ah, ce serait une bonne idée, ça. Voilà, comme ça, en fait, quand vous êtes au volant, quand vous voyez vos mains, les gens, quand ils posent une question, ils ont juste à regarder leur poignet. Gauche, ah, mais... bah, c'est un G, et droite, c'est un D. Donc, du coup, voilà. Ouais, mais la plupart du temps, vu que les personnes ne regardent pas forcément leurs mains quand ils conduisent, ils regardent plus soit le tableau de bord, soit la route. Non, mais vos mains sont dans le champ de vision. Ah, mais il faut vraiment qu'ils le gardent toujours à des indices, du coup. Ou sinon, vous mettez des autocollants sur le pare-brise, en haut. Ouais. Ouais, ça peut être une bonne à droite, idée. À droite, à gauche. Bon, vous êtes dessus. Ouais, parce qu'on a quand même tourné pendant 2-3 bonnes minutes en rond comme ça. Ouais, sinon, vous utilisez le langage marin. Tribord, bâbord. Ouais, tribord, bâbord, ouais. Après, je suis pas sûr que. Sachant qu'il n'y a pas de. De bateaux au LSPD. Je suis pas sûr qu'ils connaissent tous. Non, il n'y a pas de brigade maritime, malheureusement. Ah bon. Ouais. J'aurais bien voulu en faire partie. Ah bah mais oui. Non. Mais du coup. Mais comment vous faites ? C'est les dealers de drogue.
Ben, ils prennent l'hélicoptère et puis ils le suivent et puis on a des voitures qui partent. Eh oui. C'est vrai. Hélicoptère. Ouais. C'est la réponse à beaucoup de choses. Comment ? C'est la réponse à beaucoup de choses. Oui, bah oui. En même temps, c'est normal. Ouais. Les airs, c'est le secret de la victoire. Vous êtes dans les airs, vous avez une vision, une visibilité qui est accrue, forcément. Ah oui, forcément. Et on m'a donné l'occasion une fois pour chercher un patient d'utiliser la caméra, j'avoue que c'est bien puissant ça. Oui. Un gros zoom. Bah, on a la même caméra au LSPD. Mais non, mais c'est le LSPD que je vais tester. Ah. Monsieur Bob. Je crois qu'il y a un petit mot. Ah merde. Ouf. Il a disparu. Ah ouais, il s'est fait emmener direct quoi. Ça a été instantané. Il y a un peuple là. En tout cas, le commissaire qui nous donne rendez-vous pour 21h, chaud. Il est de retour. Il est de retour. Mais la tête. Ouais. Je m'en suis un petit peu douté. Oui. En plus, ça prévient plus. Hein. Ouais, ça, malheureusement. Je l'ai pas senti venir. Bon, ça va. Comme si je commence à avoir mal à la tête. Des fuites de neurones. Vous savez. Et d'un coup, put, j'ai mal à la tête. Ouais. Bah là, pas du tout. Ouais, c'est binaire. Hein. Ça m'a pris d'un coup. Ma crispée de citron. Ouais, ça arrive. Heureusement que vous aviez rendez-vous à 21h. Ouais. Heureusement qu'on avait rendez-vous à 21h. Bon, après, pour. Oui. C'est pas ta faute. Avec le monde qui peut y avoir sur la route, etc. Vous avez pas grand-chose à. Pas grand-chose à. Enfin. Oui. Avec ça, quoi. C'est ça. Vous vous rendez compte ? Eh, bonjour. Eh, bonsoir. Oui, bonjour. Vous avez pas vu un médecin passer par hasard ? Non, du tout. Okay, alors là, okay. Pas du tout. Ah oui, vous les avez appelés du coup ou pas? Le commissaire est arrivé, il vient de m'envoyer un message. Ah mais il vient d'arriver. Non, il s'est pris il y a des coups de pour vous aussi. Hein. Ouais, c'est bon, ils sont là. Ouais, je vous remercie. Vous allez pouvoir avoir votre rendez-vous, c'est bien. Ouais. Bah après, vous aussi, hein. Et votre rendez-vous aussi, hein. Oui, mais moi, je suis pas pressé. Faites votre rendez-vous, ça a l'air plus pressé que moi. Ouais. Ça mettra moins de temps. Ça dépend. Oh, ça dépend, oui, ça dépend. Ça dépend combien de temps vous mettez. C'est ça. Vas-y, je peux vous demander pour une heure, s'il vous plaît. Non. Ça devrait durer peut-être un quart d'heure grand maximum, je pense. Ouais, et après, je suis pas pressé. Ne vous inquiétez pas. Ça peut être pour moi. Là. Après, je vous avouerai que je suis pas à une heure près.
Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils vous ont vu, les médecins. Bon, monsieur, ne vous inquiétez pas, hein. J'ai rien à cacher. Moi, je me cache pas, hein. Pas honte, hein. Ce qu'il faut. Ouais, bien sûr. Eh, hey, bonsoir, messieurs. Eh, hey, bonsoir. Ah, t'as le permis. Ça va, quelqu'un s'occupe de vous ou pas? Oui, oui. On a un rendez-vous avec le commissaire. Du coup, okay, on attend. Thomas. Ok, parfait. Et je te remercie. Merci beaucoup. Non, moi, je me cache pas, j'ai absolument rien à cacher, ni quoi que ce soit. C'est juste que la procédure, elle est en cours et elle est vicelin. Donc, du coup, moi, ouais. Je préfère protéger mes arrières. Vraiment vicelin. Et voilà. Et bien protéger vos arrières, et puis en plus, hein, oui. C'est petit, quoi. Ben oui. Donc c'est pour ça que moi j'ai rien contre eux, ils font du très bon travail et voilà. Mais bon, pour l'instant, faut que il y a des moments, vous savez, faut penser à soi. Oui. Penser à soi et à son avenir. Et bah c'est ce que je suis en train de faire. On est d'accord. Et vous avez quel âge, si c'est pas trop indiscret? 47 ans. D'accord. Ok, ok. J'ai toutes mes dents, putain, signalé. Oh putain. Oui. Je mangeais des petits fluors, des petits cachets de fluors quand j'étais petit. Ah. Bah ça c'est... J'ai des dents en béton. Ouais bah oui, j'imagine bien. Avec ça, mais c'est pareil avec le comptable. Oh ouais. Oui. Ça c'est petit aussi, hein. Vraiment très très petit. C'est ce qu'elle disait. Je peux même pas répliquer. Bon, votre attente est bientôt finie, hein. Le commissaire va pas tarder. Ouais, il m'a envoyé un message pour me prévenir comme quoi il était bien arrivé. J'ai dit au monsieur de faire son rendez-vous avant. Oui, là. Oui, bien sûr, qu'il fasse son rendez-vous. Et puis moi on verra. Oui, et puis il doit juste voir un inspecteur avant et puis il s'occupera de vous deux par la suite. Il est là, il s'occupe d'ailleurs. Je vais aller voir ça. Eh ben, bien. Ah, les inspecteurs. Oui, ça j'ai pas trop compris. Apparemment, c'est une unité à part. Pas alors, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait c'est une unité à part, mais en fait non. En fait, c'est des agents de terrain qui ont une formation accrue et du coup méritent d'avoir un grade supérieur. Et généralement, vu que c'est des personnes qui sont plus orientées vers tout ce qui est enquête, oui, undercover, etc. Ça, oui. Tout à fait. C'est des personnes qui sont du coup, de ce grade, quoi, inspecteur. Mais au départ, ils sont sergents, avant tout. Ah bon? Voilà. D'accord, c'est le minimum, c'est ça? C'est le grade demandé. Faut être sergent et ensuite faire ses preuves pour passer ensuite inspecteur. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Faut le mériter, quoi. C'est ça, tout à fait. D'accord. C'est ça, c'est les, pas plus, les plus assidus permettent ça. C'est ça, et c'est pas le, donc ça peut pas être le premier pécor du coin qui, oui, j'imagine, oui. Qui a ce rang. D'accord. Voilà, dis donc. Mais c'est comme ceux dans les films, là. Comment ça? Bah, les inspecteurs. Oui. Ils sortent la petite mallette de scientifique, ils chopent les preuves et tout ça. Alors, non, pas tout à fait. Non. Non, pas tout à fait. Moi j'ai regardé quand j'étais petit, j'ai regardé beaucoup X-Files. Bah, ah non, du coup rien à voir. Non, ça a rien à voir. Je vous interromps, on va monter en haut et faire venir dans le bureau un pas. Venez. Ah, ok, et ben allez, c'est parti. A plus tard du coup. Mais non, mais je viens aussi ou pas? Merci. Ah, il vient aussi du coup? Oui, ah, okay. Monte avec moi. Bah, allez-y, venez. D'accord, ça marche. Je vous suis. On entre dans le labyrinthe. J'ai pas vu ma carte. Oh, j'ai bon, la mur, assez simple. Le mur, il est beau là. Il est mouvant. Ça.
Je laisse. Je vous laisse patienter juste ici. Ouais. Oui, on va patienter là. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, l'autre là-bas, il y avait un super magazine, il y a Postiche Magazine. Postiche Magazine? Oui, Postiche Magazine. Enfin, ça vous compare toute la qualité des postiches, avec tous les poils qui sont au catalogue. Et toutes les teintes de cheveux. Ok. Ah, faudra peut-être que je regarde ça, du coup. Ah, vous aussi, vous avez... Ouais, ça commence. Ah oui, moi j'ai le parcours de golf qui s'agrandit. Bon, après vous avez un certain âge aussi, donc ça va, vous avez vos cheveux depuis très longtemps aussi, quoi. Oui, mais bon, quand ça commence, ça commence. Ouais, ça, malheureusement. D'où ça a pris une autre. Ouais. Moi c'est encore léger. Moi c'est encore léger, donc j'ai de la chance. Oh, ça va. Vous passez la main dans les cheveux puis vous retrouvez des touffes. Ah, ça m'arrive des fois. Voilà, bah oui. Et là, vous êtes pas très loin de vous retrouver sur un paquet de fromage. Comment ça? Vous savez, le fromage d'écuré. Ah oui, oui, ok, je vois. Oui. Ouais. Ok. Ça coûte combien une implantation des cheveux déjà? Ça dépend. Ah, c'est cher quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Généralement, c'est 1$ le cheveu. Oh putain. Si vous en faut 25 000, vous calculez. Ok, ok. Ouais, ça coûte cher. Ah bah oui. Plus généralement, ça se voit en plus. Ouais. Bon, ça, le mieux c'est d'assumer. Vous assumez, vous acceptez le fait que vous perdez vos cheveux. Voilà. L'avantage, c'est qu'après, vous faites des économies de coiffeur. Des économies de shampoing. Après, vous utilisez le savon du corps. Ça. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui, il faut voir le côté positif. Oui, il y a même pas un petit magazine. Ouais, là, c'est... Si vous voulez vous occuper, bah, il y a les affiches en face, quoi. Bon, c'est les mêmes que celles d'en bas. Pas dans le même ordre. J'ai l'impression qu'il parle fort. Bah, j'ai un peu l'impression aussi. Parce que si, pour les canalisations, si j'ai entendu bien le mot cellule, quand même deux étages au-dessus. Oui, oui. C'est vrai qu'on l'entend, mais vraiment avec un fond, quoi. Putain, ça vient de l'aération, quoi. Oui, ça vient des canaux d'aération. Il ne doit pas en écouter une bouche d'aération, il s'en rend pas compte. C'est la première fois que j'entends ça, tiens. Oui, il parle peut-être fort. Attendez, je crois savoir qui c'est. Ça doit être Monsieur Shepard, ça. Ouais, c'est ce que je me disais. Il ne va plus tarder, je vais attendre avec vous de toute façon. Pas de soucis. Lieutenant, vous avez un beau collègue, il me semble que c'est Monsieur Shepard qui parle très fort parce qu'on l'entend via les canalisations. D'accord. Je lui ai envoyé un message pour lui dire. Je vais prévenir parce que. Apparemment, il va lui donner quelque chose dans son jeu d'acteur. On n'a pas tout compris parce qu'avec les canalisations c'est un peu délicat, mais. Créteo et les Speedy.
Ils vont pas arrêter de rigoler. Entre Phelps et lui, ça va être horrible. Dehors dégradé. Assurez-moi, c'est en un mot ou en deux mots ? En un mot. D'accord. Ah, c'est en deux mots. Bah c'est le bureau dégradé. Mais. Il est plutôt bien ce bureau en plus. Bah, j'imagine bien, c'est le bureau dégradé. Bah, tant que c'est pas dégradé. Vous avez vu sa tenue ? Mmh. Elle en impose. Ah bah oui. Stylé. Ah ouais, bien sûr. Eh, bonsoir messieurs. Eh, bonsoir monsieur le commissaire. Bah du coup on va commencer par monsieur Wingman. Ah okay. Non, j'avais dit non, l'autre personne. Vraiment ça a l'air d'être plus urgent que moi. Non, vous en faites pas. Vous en faites pas, allez-y. Allez-y. Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Moi je suis à votre disposition. Eh, venez. Eh, bon courage. Merci beaucoup. Bon. Bon bah les gars, on attend. Moi j'aurais vu Willman avant. Avant tout ça. C'est drôle. Très drôle. Très drôle. Très 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 drôle. De toute façon, hein, c'est Hermanel, hein, les gars. C'est un petit bijou. Mais c'est bien de pouvoir jongler avec un personnage. Enfin, avec un joueur comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs où vous pouvez pas jongler de cette manière. Vous pouvez pas vraiment avoir une conversation de personne à personne en fait. Il y a très peu de joueurs qui permettent ça. D'ailleurs, je vais tester quelque chose. Ouais, on est d'accord que c'est... Il est mieux comme ça. Hein. Pour ceux qui pourraient se demander qu'est-ce qui se passe, là, sans shader... Donc le jeu de base, voilà, c'est le jeu tel qu'il est pour tout le monde. Et là, avec les shaders. Voilà, avec les shaders, je suis désolé, mais ça en voit plus, quoi. Regardez juste les lumières et les murs. Les murs, on voit les détails, c'est stylé, quoi. si je vous montre. Ah. Voilà. Et les effets sont désactivés. Et là, je les active. Aïe aïe aïe. Ah putain, mon dos il a craqué, vénère. Aïe. Bon, du coup, monsieur Willman. Ça va prendre pas très longtemps, du coup. J'imagine.
Monsieur Willman, du coup, c'est... Si Speedy faisait ça, donner 1 000 $ à toutes les personnes qui appelaient quand ils voient quelqu'un avec une arme illégale, je veux dire qu'il y en aurait qui auraient la thune. Bon, c'est avant le... Non, avant le 1er mai. On devrait avoir une réponse. Avant le 1er mai. On y croit, on y croit. J'hésite à mettre de la musique, mais je vois pas ce que je pourrais mettre. Je vois pas ce que je pourrais mettre comme musique. En soi, on attend. On attend de savoir si Maurice va rester au LSPD ou non. Très clairement, hein. je vous le dis honnêtement, je pense pas que Maurice pourra retourner au LSPD. Je pense pas. Si c'était le cas, ce serait une belle surprise. Mais oui. On voit la porte un peu buggée là-bas. Chaud. La porte un peu buggée là-bas. Ça va être complexe tout ça. J'espère au moins que vous entendez bien le son du jeu. Le son du jeu, pour moi, il a fond. Petit chômage qui tombe. Ah, mine de rien, ça... Ah non. Mine de rien, comment... Non, pas du tout. Ça commence pas du tout à faire de l'argent. On gagne quasiment 20 fois moins. On gagne 17,5 fois moins que quand on était officier. Du coup, techniquement, il faut. Allez, il faut 17.
17 ou 18 quarts d'heure pour arriver à un salaire. Oula. Alors. Je reste stoïque, mais je, à l'intérieur, j'explose de joie. Ah, du coup, c'est bon. Oui. Ah, ouais. Je vais pouvoir rejoindre les rangs de la police. Tant mieux, tant mieux. C'est un grand moment pour moi. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai hâte d'aller sur le terrain et de prouver ma valeur. C'est ce qu'il faut. Et prouver aux citoyens que le SPD, c'est pas des personnes qui sont là juste pour faire chier le monde. Exactement. Ça, c'est le principal. Protéger et servir. Tout à fait. Ça, malheureusement, certains, ils le comprennent pas. Oui, je suis d'accord. Bon, bah, bon courage à vous aussi. Ouais, bah, du coup, moi, j'attends. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ah, je peux y aller ? Bah, Toki, vous allez voir. Ok, on va voir ça. Hein. Je peux rentrer ? Allez, rentrez. Moi, comment ça ? J'ai connu mieux. Je vous avoue. Profiter de vos vacances forcées ? Profiter, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, sachez que votre cas a été longuement étudié. Oui, je me doute. Il y a plusieurs choses qui ont été, enfin qui sont, comme vous savez, comme vous l'avez dit, qui sont retenues un peu contre vous. Oui, je me doute. Il y a de la rétention d'informations, de la divulgation d'informations, des mensonges envers sa hiérarchie. Et un petit soupçon quand même d'entrave à la justice. Hein. Bon, ça c'est autre chose, parce que ça c'est un délit pénal et non interne. Il y a eu une réunion des hauts gradés récemment. Donc on a discuté beaucoup de choses et discuté de votre cas. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, permeco. Il est compliqué, même si on souhaitait vous être clément avec vous, de vous laisser réintégrer votre poste parce que vous avez perdu la confiance de beaucoup d'agents. Je m'en doute. Vous avez déçu vos supérieurs et vous nous avez déçu de manière générale. Tout au gradé. Donc, ce que vous avez fait est quand même grave. Je le sais. Et malheureusement. La plus grosse erreur que vous avez fait, c'est d'avoir menti à votre hiérarchie et à plusieurs reprises. Vous auriez tout avoué directement. La confiance n'aurait pas été perdue. Ou dès le départ, vous auriez fait ça sous l'autorisation de votre hiérarchie, il y aurait encore moins de soucis. Là, il n'y aurait eu aucun souci. Le faire sans autorisation, ça mettait un problème, ça aurait été un blâme, une mise à pied en fonction de ce que vous nous auriez dit. Mais le problème, c'est les mensonges. Ouais, je m'en doutais un petit peu, j'en ai aussi eu à beaucoup réfléchi. Donc je me doutais un petit peu que ce serait le cas. Donc du coup, on n'a pas vraiment d'autre choix que de prononcer votre licenciement, officier Permeco. Je m'en doute. Vous avez été un très bon agent, mais malheureusement, vous avez déçu. Je fais une faute et j'en assume les conséquences, hein, c'est comme ça. Hein. Comme on avait parlé le soir de la mise à pied, voilà. J'ai fauté. C'est comme ça. Maintenant, je retiens la leçon. Et ce sera bon pour le futur. Bah, parfait. Voilà. Bon, vous recevrez votre notification officielle dans la soirée. Quand j'aurai le temps de la faire. Y'a pas de problème. Ouais. Bon, vous avez déjà déposé vos affaires, je vous ai déjà repris votre badge.
Oui. Non, et puis rassurez-vous, c'est pas nous qui allons dire les raisons de votre licenciement, ou même que vous avez été licencié si jamais on vient nous poser la question. Ouais. Vous avouerez que beaucoup de personnes sont sans doute déjà en vie. Oui, les rumeurs courent vite. Malheureusement. Enfin, malheureusement, oui. Malheureusement. C'est comme ça. Sachez qu'on ne retiendra pas, enfin, je vais pas vous inculper pour entrave à la justice. Hein. Le licenciement est déjà suffisant. Moi, comme je vous dis, hein, j'ai fauté, c'est comme ça. La sanction tombe, c'est normal. C'est logique. Maintenant, comme vous m'avez dit l'autre fois, le plus dur, c'est malgré tout la confiance. Oui. Mais c'est de mon fait. Donc, oh, merde. Bon, c'est de mon fait. Ouais, chaud. Oh. Expédié par SMS. Vous auriez un médecin pour le commissariat, on a une personne qui a des maux de ventre. Oh, putain. Merci. C'est un bon départ en règle, ça. Je l'avais dit, j'en étais sûr, mais à 2000%. C'est tendu. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais oublié de rendre quelque chose. Hop. J'en avais en trop. J'ai vu ça dans mes affaires quand je suis parti. Par contre, l'entrave à la justice, je vois pas du tout. Parce que j'aurais livré, entre guillemets, une personne. Donc je vois pas où est l'entrave à la justice. Mais c'est pas grave. Bon, tant qu'il me le laisse pas, c'est le principal. Maurice a juste pu. A juste pu de grade au LSPD, pu au LSPD. Yo, Risbert. Comment tu vas?
Et donc, monsieur. Oui, un peu mal au ventre. Un petit peu de smecta dans un grand verre d'eau. Ouais. S'il vous plaît. Et voilà. Oh putain, c'est toujours pas bon votre truc. Hein. Ah, je vous confirme, ouais. Je vous confirme. Ouais. Et voilà. Pâteux. Ah, je vous remercie du coup. Pas de soucis. Passez une bonne soirée, bon courage. Bonne à vous. Soirée, monsieur. Bonne soirée. Vous allez retrouver le chemin. Ouais, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Ouais. Super, merci. Merci. Bon courage. Ouais. Mais du coup. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est merci à vous pour ce mois, on va dire, de service. C'était un plaisir chaque jour. Et je crois au LSPD qui n'est pas là que pour faire chier les gens. Et je me suis rendu compte pendant ce mois que c'était pas forcément le cas, donc je vous remercie et puis remercie aussi les agents pour moi, même si ils ont plus confiance et j'ai passé de bons moments. Pas de soucis. Voilà. C'est pas tout. De soucis. Voilà. Bon bah du coup je vais vous laisser. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bon courage. À toi aussi, bon courage pour tout ça. La suite. Ouais. Et bonne soirée. Je fais le recrutement avec moi. Ouais, je vais voir. Ouais. Ok, venez. C'est parti. Je vous suis. Ok. Et impeccable. Et bah allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir. Pour le petit bip dans les mains. Bon. Et ben voilà. C'est officiel. Mais je pense que. Je pense que je ne pouvais que m'en douter. T'as pas honte, sur sérieux quoi. Je ne pouvais que m'en douter. Bon, bah du coup, messieurs, dames. On va dire que ce que je pensais qui allait arriver donc là, quelle est la suite pour Maurice? Comme a demandé Grisbert. La suite pour Maurice est très simple. Il avait un but en ville. Il avait un but. C'était de vivre son rêve américain, de faire ce qu'il pouvait et d'avoir du pouvoir. Aujourd'hui, ce rêve est impossible, cette possibilité est impossible, dû au licenciement du LSPD. Voilà, tout simplement. Parce que t'as pas autant de possibilités quand t'es civil. Agent du SPD. Aujourd'hui, du coup, Maurice, c'est. Et je dis bien Maurice, hein, pas moi, attention. Maurice va quitter la ville. Je vous l'annonce. Maurice va quitter la ville. Quand? Bientôt.
comment vous le saurez bientôt. C'est amorcé, c'est comme ça, hein. je m'y attendais. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on va se dire au prochain live pour la fin, je pense, de Maurice à Los Santos. Après plus de deux ans, sur LS, plus de deux ans qui ont été marqués par beaucoup de choses et qui aujourd'hui mènent à une seule et même chose. Voilà. Mais au moins, Maurice, là, le personnage de Maurice s'est rendu compte qu'il n'était pas invincible. Et ça, moi personnellement, ça me fait plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très vite pour un prochain live. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, et ciao, bye.